James Walls, alors qui dirige Williams, on le rappelle hein, actuellement, il dit que Mercedes reviendra sur le devant de la scène dans 6 à 12 mois. Alors, plutôt 6 du coup, hein, parce que ça coïncidera avec le début de la saison 2024. James, l'écart s'est réduit par rapport à ce qui s'est passé avant, il faudra juste du temps pour que ça se produise. Je pense que Mercedes a perdu un an de développement pendant que j'étais là, simplement parce que la direction qu'ils ont prise était très différente de celle du reste du peloton. Eh ben oui. Eh ben à cause de qui? De Mike Elliott, hein. Toujours lui, hein. Le coupable. Parfois, il faut croire en ce que l'on fait. C'est ce qu'ils font maintenant. Il faut comprendre que nous ne prenons pas la bonne direction. Mais cette année n'a pas été effacée. On ne peut pas se débarrasser de ça en l'espace d'une semaine. Cependant, Walls pense que Mercedes peut à nouveau se battre pour la tête d'ici 6 à 12 mois. Ce que vous verrez, c'est qu'ils commenceront lentement. J'en suis sûr à se renseigner sur le package et comment le développer, car c'est une organisation incroyable. Ils reviendront sur le devant de la scène, mais je pense qu'il leur faudra encore 6 à 12 mois. Ah ouais, mais 12 mois, du coup, ça. C'est trop. On serait presque à mi-saison 2024. Si recommence à gagner que à mi-saison 2024, bah 2000, la lutte pour le titre, ça sera pas possible, encore une fois, quoi. En 2024. Ça sera trop tard. Trop de points ont été perdus, quoi. Bon, bah, à voir. Hein. Ciao.